Je remercie EA Games qui, via le programme EA Creator Network, me permet de vous fournir ce contenu ainsi que la petite clé que je vais vous faire gagner en giveaway. Est-ce que c'est pas beau, la vie ? Sinon, vous, comment est-ce que vous allez ? Comment vous portez-vous ? Est-ce que tout va bien pour vous? Ça me fait plaisir en tout cas de vous voir. Je vais faire un petit coucou à toutes les personnes qui en tout cas me mettent un petit mot dans le chat, et coucou à celles qui sont en lurk. Donc coucou à Gaëlle, coucou à Utsari, coucou à Lucky Day, coucou à Fleura et coucou à El Kuro. Comment est-ce que vous allez toutes et tous? Dis-moi oui. Mais en fait, je sais pas vous, donc vous savez que moi, je vous dis tout le temps, moi il y a plus grand chose qui me hype sur les Sims parce que, voilà, j'ai ce que je voulais avec le monde magique. Alors comment vous dire que, que quand j'ai vu la donne, j'ai pas fait de vidéo, entre guillemets, réaction, on l'a pas regardé en live ni rien, mais vous savez ma passion pour les pierres, la lithothérapie et tout ça. Ah bah... C'est ça en fait. Et puis ils ont sorti le kit des bijoux et bim. Voilà. Très très bien, jour de repos, donc je me remets des cours. Oh génial Fleura. Je profite que le pingouin sympa là pour venir voir ton stream. Bah écoute, y a pas de problème Elkuro, j'ai pu parler. Comme bon te semble, voilà, tu pose-toi. Je sais pas qu'elle est loupée. Ah mais franchement, quand je l'ai vu et quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire dedans, les gars et les gattes, je suis en mode... Vous voyez, Pingu, le même de Pingu qui fait oh, 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 oh. Bah c'était ça. Voilà, ça c'était moi. Enfin voilà, j'étais très contente. Voilà, j'étais très contente parce que c'est vrai que dans tous les jeux où il y a des trucs comme ça, bah, fatalement, même sur AMVU, donc mon deuxième avatar, elle a des bijoux avec des pierres aussi. Pour tout vous dire, j'ai même ma fleur de vie. Bon, il y a un peu de bordel dessus, mais voilà, je vous la montre. Ma fleur de vie avec des pierres qui rechargent. Même près de moi, j'ai ça, donc voilà, j'ai mon petit Palo Santo et tout, voilà, toi-même, tu as compris à quel point j'aime tout ça. Donc, sachant que j'ai encore une fleur de vie dans ma chambre, j'ai encore des trucs, enfin voilà, j'en ai partout, et quand ma maison sera rénovée, j'aurai des pierres encore, j'en aurai encore plus, donc voilà. Donc, j'ai déjà préparé ce live. Par contre, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des modes, désolé les gars, je suis en train de bader avec ma webcam. Au niveau des mods, j'ai eu pas mal de soucis. J'ai dû faire des tri dans mon jeu. Donc tu m'as fait la musique comme... Ah mais cette musique... donc pour les personnes qui regardent sur YouTube, coucou YouTube, désolé si j'ai foiré mon intro, si je vous ai même pas dit bonjour, honte à moi. Mais voilà, je suis en live sur Twitch comme d'habitude. Hein. Maman, je tourne cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, Indara? Tu vas te chercher après. Oui, j'ai baby fan de notre fils, oui. Donc en pré-live, j'avais mis deux musiques, j'avais mis une version très épique de Gangsta Paradise de Two Way, je crois que c'est ça le nom du groupe qui ont remasterisé, qui ont recomposé un peu la chanson à leur sauce. J'essaierai de mettre les liens si j'y pense, et ainsi que Je voudrais que tu sois mort, désolé, de Léman, un chanteur que j'adore, qui fait partie de mon top. Donc ouais, une chanson qui me défoule vachement bien pour le moment, si vous saviez. Bien que ceux qui me suivent, qui passent un peu sur tous mes blogs, j'ai perdu mon truc de, pour avoir chaud les pieds, j'ai un petit machin pour mettre mes pieds au chaud, voilà. Connaissent mon état mental qui n'est pas ouf pour le moment, et cette chanson me défoule. J'en viens à la brailler dans ma bagnole, en mode « Ah !» limite euphorique, tu vois. Complètement tarée. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Et donc, oui, je me réjouis de tester ça. En plus, j'ai fait une nouvelle sim, les gars et les gattes. Une sim qui va, mais... Voilà, vous allez comprendre. Mais, attendez, je vais d'abord charger la petite partie, ma petite partie test, là. Avec, ben, un peu tous les meubles, mais même les meubles sont canons. Pour les personnes, je trouve que ce kit va compléter à merveille le pack Monde Magique. Hein. Franchement, si vous aimez l'univers de la magie et tout ça, ce pack est pépite. Maintenant, j'ai pas encore tout testé, mais franchement... Pour un kit, parce que c'est un kit, c'est pas un Ricky kit, hein, comme on dit, c'est un kit à 10€, mais il y a du contenu dedans. Franchement, je suis surprise, tu vois. Vraiment. Hop.
On va passer sur l'écran de jeu. Donc, bienvenue dans les Sims 4 kits d'objets création en cristal. Des bijoux de votre création. Remplissez votre collection de nouveaux cristaux et métaux colorés à utiliser pour créer des bijoux étincelants. Les joailliers en herbe peuvent développer de leurs nouvelles compétences avec la table de gémologie pour tailler des cristaux et personnaliser des bijoux. Chargez à bloc, cherchez des cristaux et cueillez-les sur les arbres à cristaux. Des arbres à cristaux ? Quoi ? Et préparez-vous à les charger au maximum. Les cristaux chargés influenceront l'humeur et le quotidien de vos Sims. Les objets que vous fabriquez changeront véritablement leur vie. Oh, j'ai trop. Beauté et mystère. Associez vos créations brillantes à des touches de mystère. Les vêtements et meubles de ce kit d'objets sont parfaits pour un atelier confortable. Une série de bijoux de rêve a même été créé en collaboration avec... Mais oui, il y a des bijoux sur le... Il y a du merch en lien avec ce kit qu'ils ont fait, les sagouins. Il y a du merch. Et j'ai vu passer ça sur Twitter. Il y a du merch de fou. J'ai vu la bague, j'étais en mode... Pourquoi je ne suis pas millionnaire? C'est un petit peu ça. Magie. Oh, incroyable. Quelle transition incroyable. Hein. Oui, il y a du merch. Il y a du merch. On est avec ce kit. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Il y a du merch. Moi non plus, je n'aurais pas voulu ça. Moi non plus, je ne veux pas ça. Il y a du merch. Donc, un arbre à truc. Je vais vite regarder après ce fameux arbre. L'arbre, je ne le trouve pas. Bon, soit. Alors oui, j'ai pas mis tout... Enfin, j'ai mis... Il manque une table, je crois, que j'avais vu tout à l'heure. Voilà, la petite table ici. Voilà, c'est ça qui me manquait. Voilà, il me manquait juste cette petite table-là. Donc, le nouveau kit compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 nouveaux objets. Donc, coucou Darkycool, Darkoucool. Donc, avec ces nouveaux objets viennent, bien sûr, les nouvelles pièces qui sont associées au kit. Il n'y en a qu'une et... qui est dérivé en trois couleurs, et je ne me rappelle pas qui a... Ah oui, ça c'est le truc qui est par-dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Les petits objets, les trucs qui sont... Voilà. Est-ce que c'est pas beaucoup trop joli cette bibliothèque? Est-ce que nous sommes d'accord? Ce papier peint, ce papier... Mais complètement, Utsari, nous sommes d'accord. Oui, voilà Utsari, mais également, nous sommes d'accord toutes et tous. J'en étais sûre qu'il y en avait qui dirait ça quand j'ai ouvert le truc. Oui, exactement, exactement. Donc voilà, le papier peint est juste canon, canonissime. Voilà, les posters, enfin voilà, je vais vous montrer, j'ai fait quelques déclinaisons sur le côté. En rouge, et je pense même qu'il y a en jaune pour toi Utsari. Voilà, je veux ce poster, mais voilà. Et donc voilà les objets, donc on a une nouvelle petite lampe, une nouvelle plante, et donc bien sûr chaque fois vous avez voilà un peu les dans quel cours c'est dérivé, donc c'est en blanc, en noir comme ça un peu dark, en peu acajou aussi, en bois plus naturel, en beige, en peu vert canard comme ça, en violet, alors moi qui adore le violet. Voilà, en gris. Oui, voilà. Vous pouvez faire du bois naturel, différents types de bois, plus quelques couleurs. Et donc, c'est valable. Vous avez les mêmes déclinaisons, en fait, pour tous les meubles. Donc, voilà. Vous pouvez vraiment faire des pièces à thème qui sont vraiment chouettes. Ça, je l'ai découvert vraiment en préparant ici le live. Voilà. Ces petites boîtes-ci... Attendez, ça, c'est une petite étagère. Ces petites boîtes-ci fonctionnent comme les petites boîtes, vous voyez, des dressings, là. Et en fait, sont faites pour ranger vos cristaux dedans. Vous pourrez ranger vos petits cristaux dedans, vos petites collections. Ah mais complètement, Fleura, c'est parti pour la sorcière, clairement. Donc voilà, il y a ça. Et vous pouvez donc du coup les chipoter, les moduler un peu. Alors donc ils se collent très facilement. Donc voilà, et ils coûtent, ouais, 100 simflouz. Les posters. Les posters sont canons. Les posters sont... voilà. Vous me connaissez. Voilà. J'ai une question. Je peux...
Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas grave. Soit. J'ai plus mon anniversaire et me choper le kit Monde Magique Direct. Mais écoute, voilà, si, complètement. Si, franchement, ces deux kits-là vont très bien ensemble. Enfin, ce kit et ce pack-là vont très bien ensemble. Alors, ça, c'est aussi un poster ici. Donc, là, ce sont les quatre déclinants de ce poster. Donc, ça fait vraiment des petites informations. Si à mi, vous voulez, je pense même que je vais même modifier mon école de magie pour faire une classe qui va être basée avec ce kit en fait, parce que franchement je verrais vraiment bien voilà quoi, pour moi ça a tout à fait sa place dans mon école de magie. Donc voilà, la petite table ici qu'on a aussi là en plusieurs couleurs, hein, là j'ai mis deux couleurs pour vous montrer un peu les extrêmes, mais voilà, là aussi pareil, en canard, en violet, enfin voilà, la petite chaise ici de bureau pareil, ouais, un cours d'études des cristaux, exactement. La petite table ici, qui m'a l'air d'être une table avec du bordel en dessous, c'est génial. Et les petits, regardez les petits machins, là on imagine, hein. Là aussi vous avez vraiment les mêmes rappels de couleurs. Voilà, oh, j'adore, avec le petit carnet, là. On imagine que ça c'est la boîte pour aller au cours, avec le petit carnet de notes et tout, la boîte à bijoux, quoi, s'il te plaît, quoi. C'est trop beau. Voilà, ici. Là, on peut modifier même, ça modifie même les bijoux. Ça, j'avais pas vu que ça modifie même les bijoux à l'intérieur. C'est trop beau. Mama, ouais. Exactement. Exactement, Flora. Exactement. Alors ici, on a également un petit buste. Voilà, où on pourra sûrement ranger les colliers qu'on aura créés. La petite boîte ici, avec les outils. Et alors, bah, le bureau, qui est juste beaucoup trop beau. Voilà. J'adore. J'adore. La petite plaque ici qu'on mettra, qui doit, je pense, aller dehors, où on pourra mettre les cristaux pour les recharger. Voilà. Oui, j'ai mis deux versions ça c'est le bureau. Et ça, c'est le bureau donc de gémologie. Donc là où on pourra, donc du coup, je pense vraiment étudier, eh bien, c'est trop beau, nos cristaux, créer nos colliers, nos bijoux. Donc franchement, ça va être top, quoi. Alors oui, les tapis sur lesquels on bave depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Voilà, hein, noir comme ça, beige. Voilà, regardez. Ils sont. En plus, regardez, j'aime beaucoup. La texture est vraiment réaliste, vraiment très belle en fait. J'aime beaucoup l'aspect usé que les tapis ont. C'est vraiment super beau. L'idée de la gravure du bureau. Tu veux dire les petits carrés que tu veux dire? Ou alors les petits tiroirs? Bah, c'est vrai que franchement, c'est pas. Oui, là aussi, c'est vrai que c'est canon. C'est très beau. Mais ouais, j'aime. De toute façon, je vous ferai gagner une clé à la fin du live ici. Hein. Donc voilà, je vous ferai gagner une clé, on fera un petit giveaway. L'atelier, ouais. Ici, je suppose que tu voulais dire. Mais voilà, donc voilà, il y aura un petit giveaway à la fin. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. La petite table basse aussi. Regardez les petites moulures là qui sont trop belles. C'est trop joli. Par contre, il parle d'un arbre à cristaux. Mais moi, je ne l'ai pas vu cet arbre. Donc, est-ce qu'il faut grimper? Est-ce qu'il faut planter un cristal? Je vous avoue que je ne sais pas. J'ai pas prévu là maintenant de... On va un petit peu chipoter, je spoil pas. D'accord, ok, ne spoil pas. Maintenant, le pire c'est que j'avais vu le truc, donc je me demande si... Regardez le trailer. Ouais, mais je crois qu'elle plante un truc, hein, je crois. Écoutez, c'est pas grave. Je vous ai quand même prévu. J'avais envie de faire un tout petit peu de gameplay avec vous pour pas vous dire « Ouais, ben voilà, on a fait tout, allez, salut !» Surtout que j'ai pas live cette semaine et que je ne sais pas si j'ai d'occasion de live vu que j'ai mes enfants avec moi toute la semaine. Ah mais je vais te montrer le CAS, ma chérie. Attends, je vais le montrer de manière un petit peu plus sympathique à d'habitude. Je voulais avertir aussi pour les personnes qui me suivent sur mon profil EA sur la galerie, que j'ai posté deux nouvelles créations, que j'ai postées bientôt sur mon blog. Ce sont deux maisons starter. Maintenant, elles comportent des CC. J'ai essayé d'en mettre le moins possible, mais elles sont fonctionnelles. Et quand je vous dis fonctionnelles, il y a tout dedans pour commencer. Je vais vous montrer celle que j'ai faite, mais je l'ai modifiée ici exprès pour le live. Donc voilà, elle ne sera pas dans l'état. Non, c'est pas là. Hop, oui, le cric. Et j'ai fait une perso, les amis, hier, qui est magnifique. Aphrodite Love Heart. Love Heart, voilà, je vous imaginez. Voilà, petit jeu de mots, hein, voilà. Hop. Aphrodite aime la nature et les belles pierres et les beaux bijoux. Aphrodite est également dispo sur mon... Oui, voilà, ça donne le ton de la beauté du perso. Bah franchement, je t'avoue, Flora, que... Ouais, elle n'a rien à envier à Myriana. Voilà, je la trouve très jolie, personnellement. Elle n'est pas parfaite, mais elle dégage un genre de... Voilà,
Et donc, je l'ai looké avec les vêtements du nouveau kit. Aphrodite ne travaille pas. Aphrodite va faire des bijoux. Voilà, tout simplement. Par contre, je vais vite faire un truc, parce que c'est vrai que j'ai un mode de banque qui a été mis à jour et qui fonctionne très bien, et que si je ne le mets pas, si je ne mets pas... Ah, mais tu crois que j'ai le temps de commander une pizza, toi? Allez. Voilà, c'est bon. On n'a pas le time pour ça. Par contre, je ne sais plus quel code est-ce qu'il faut... Aphrodite est disponible sur ma galerie aussi, mais elle est modée. Il y a des modes dedans, donc voilà, vous l'aurez sûrement chauffe si vous n'avez pas les modes. Maintenant, ce sont des modes qui sont trouvables sur Curse, hein, je tiens à préciser. Voilà, c'est vrai que je l'ai faite vraiment comme ça, pour moi, parce que je joue, j'ai une petite partie voilà, où je joue sans filmer. Coucou Samantha, pardon, excuse-moi, je t'avais pas, j'avais pas fait attention que tu étais là. J'espère que tu vas bien. Attendez, hop, mon petit mode de banque. Nous allons prendre des abonnements, le pack premium. Voilà, hop, comme ça, on a l'électricité, on a l'eau, on a tout. C'est pas dans une mise à jour, hein, ça c'est un mode. Donc voilà Aphrodite, et je vais vous montrer un petit peu, du coup, j'ai préparé des tenues en lien avec le nouveau kit sur Aphrodite. Voilà, comme ça on n'avait pas à chercher, dire oh, voilà, qu'est-ce que c'est que ça, machin, attendez, on va chercher, machin. Il y a juste les mecs qui faudra le faire. Donc voilà, mais en tout cas, voilà. On regardera après les mecs. Donc voilà, au niveau donc, des coiffures, on a cette première coiffure-là que j'ai mise. Maintenant, il y a d'autres coiffures, je vais vous les montrer. Il y a cette petite courte-là, qui Aphrodite est toujours canon avec. On a cette petite courte-là avec une mèche, et je la mèche... Non. Bon, soit vous voyez. On a celle-ci, avec des cheveux plus crépus. Celle qu'elle avait à la base. Et ce petit chignon-là, que je trouve beaucoup trop beau. Nous sommes d'accord. D'ailleurs, je crois que je vais laisser, tiens. Parce que c'est beaucoup trop beau. Voilà. Bien que j'aimais bien les cheveux longs. Le chignon irait bien avec autre chose. Les petites boucles d'oreilles, un petit collier, mais vous le verrez, je pense, mieux sur les autres tenues. excusez-moi. Je ne pense pas avoir vu de chapeau. J'avoue que ça, j'ai pas vérifié les chapeaux, mais... J'en doute. Non, voilà. Donc, la blouse. Il n'y a qu'une blouse. Il n'y a que ce haut-là. Disponible en plusieurs coloris. Hein. Voilà. Hop. Je disais qu'il y avait du jaune pour Utsari, mais finalement, non. Je suis désolée, Utsari. Pampan cucu à moi. Ouais, mais je la trouve vraiment très belle. Que cette jupe-là de disponible. Toute simple, une petite jupe ultra simple. Et au niveau des chaussures, là, nous avons deux paires de chaussures. Celles-ci, les petites bottines avec le cristal dessus, qui font très, très sorcière. Et le merch dont je vous parlais. J'espère que je vais zoomer. Ce sont deux nouvelles bagues. Hop. Et dont le... Celle-ci, voilà. Celle-ci, je ne sais pas si vous voyez. On ne les voit pas très bien. Excusez-moi. On ne les voit pas très très bien. Voilà. Voilà. Petite comme ça, apparemment, celle-là, ils ont fait un merch avec celle-là. Ils ont refait ça, donc on peut l'acheter avec le cristal vert dedans. Et cette petite-là, avec... maintenant, j'arrive vraiment pas à voir bien... C'est un peu dommage que le Sims... On essaiera de zoomer pendant qu'elle fera... voilà. Je veux les bijoux. On est d'accord, Fleur, on est d'accord. On est d'accord. Donc voilà, pour la première tenue que j'ai composée avec le kit. Maintenant, on a le bracelet ici qui vient pas du kit, mais qui complète parfaitement la tenue. Hein. Alors, je vous donne les autres tenues. Hein. On a ensuite cette petite robe. Et ici, on voit un peu plus le petit collier. Voilà. Petit collier doré. Vous avez vu, je pense, au pire je vous montrerai les boucles d'oreilles après. Mais voilà, là aussi vous avez plusieurs teintes au niveau de la robe. Ah, voilà, j'ai mis une autre couleur au niveau des chaussures. Voilà. Enfin, qu'on passe voir les gars après, parce que je vous avoue que les gars, j'ai pas, je les ai un peu négligés ce coup-ci. L'autre petite robe que je trouve vraiment trop trop belle avec ces chaussures-là en cristal comme ça, c'est trop canon. Par contre, j'avoue que je me serais quand même attendue à voir une robe longue. J'ai pas vu de robe longue, je pense pas qu'il y en a. Non, il y en a pas. Je vais quand même revérifier, mais... J'aurais bien vu une sorte de robe de Cendrillon, quand même, avec tout des... Un peu Reine des Neiges. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la robe d'Elsa... quand elle vient de la faire, ça aurait été, je pense, canon qu'il nous fasse une robe dans ce style-là. Non, voilà. Donc, voilà. Et là aussi, bah, vous avez plein de coloris. Avec des motifs, sans motifs. Dark, pas dark. Vraiment dans le ton qui pourrait vous plaire.
Hop, ceci. Oui, elle a des gros 1, ça, hein, désolé. Des os, pas des os, c'est comme ça. Voilà. Montre un petit peu, j'aime beaucoup aussi les manches qui reviennent comme ça. C'est super joli. C'est... J'adore. J'adore. Franchement, canon, quoi. Et donc, la dernière, celle-ci. Et celle-ci, je pense que la coiffure avec le chignon pourra bien aller, je pense. Voilà. Comme ça, vous voyez bien les boucles d'oreilles aussi. Peut-être même voir si je peux pas modifier la teinte des boucles d'oreilles. Voilà. Peut-être mettre, voilà, plutôt comme ça, de rouge, du coup, vu qu'on est sur une robe rouge. Et voilà. Voilà. Et aussi, donc, du coup, ce nouveau kit nous propose également une nouvelle aspiration qui est Artisanat du Cristal. Donc, hop, qui est dans la section Nature. Cette sim veut tailler des pierres précieuses, fabriquer des bijoux et utiliser les pouvoirs des cristaux. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est la seule. J'ai un peu fouillé les autres. J'en ai pas vu d'autres. Vous savez, moi, j'aime bien chercher par moi-même. Mais voilà, j'en ai pas vu d'autres. Non, il n'y en a pas. Maintenant, j'ai beaucoup de modes. Hein. J'ai pas retiré mes modes. Désolée. Moi, je suis maître à mode, vous savez bien. Mais voilà. Voilà. Dans les connaissances, j'ai regardé. Mais non, j'en ai pas vu. Peut-être que... Est-ce que nos modeurs vont faire des nouvelles choses basées sur ce kit? Probablement. Hein. Voilà. Pour les gars, est-ce que je peux modifier le genre pour... Non, je peux pas. Non, je veux pas. Nif, nif. Vous savez quoi? Je peux pas... Non. Pas grave, on ira après. À moins que peut-être... Oui, si je vais modifier, je vais mettre le code pour modifier pour aller voir. Est-ce qu'on peut... Pour les gars, juste modifier. On va pas ajouter un mec, mais voilà. Quoi, on va juste... juste aller voir. Hop. Casse.full.edit.mode.on. Voilà, hop. Modifier dans le CUS. Prévoir des tenues. Comme ça, on va pouvoir aller voir. Voilà. Pour, au cas où il y en a qui ferait mon fond chargement, là aussi, vous le trouvez que sur Curse. Hein. Il y en a plein sur Curse. Vous pouvez vraiment vous éclater. Donc. Ajoute un nouveau sim. Et on va regarder pour voir si on peut pas. Hop, voilà. Merci, monsieur. Vous tombez. Vous êtes l'homme qui tombe à pic. Monsieur, c'est parfait. Donc, au niveau des coiffures, à mon avis, je pense pas qu'on en aura vraiment. Pum, pum, pum. Voilà. On a les... Ouais, voilà. Les... Celle-ci. Ouais, celle-là, elle rend très bien sur le mec. Hein. Moi, je... Je trouve ça canon, perso. Attends, monsieur, parce que tout à l'heure, j'ai téléchargé des yeux, les amis. Mais des yeux, mais trop beaux. Oula, c'est pas celui-là. Oh, je sais pas où ils sont. Oh, frustration. Frustration, peut-être dans les... Soit, tant pis. Hop, on va mettre ça. Coucou, Lucie, comment ça va? Je vais les prendre tout le temps en motif tellement ils sont beaux. Donc, pop, pop, pop. Au niveau des hauts. Oh. Qu'est-ce que nous avons pour ces messieurs? Je vais assumer qu'il n'y a pas de choses pour les enfants, je vous avoue. Je doute qu'ils aient fait pour les enfants. J'en doute. Oh! Et... Eh ben, c'est bien la première fois... Bah, ça va, Lucie, ça va, je te remercie. C'est bien la première fois que les mecs ont plus de haut que les meufs. C'est bien la première fois. Eh ben, écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est vrai que c'est toujours... Il est pas mal, ce petit gilet, là. Bon, moi, j'ai un peu froid pour lui, là, pour le coup, mais il est pas mal du tout. Oh, il est beau, ce suite, avec les... Oh, c'est trop beau. Eh, il irait trop bien à Juanito, hein. Il y a moyen de péchoter, tu vois. De péchoter. Hop. Ce haut-là, hop. Et c'est sympa, les petits détails. C'est très très sympathique. Désolé, je cliquouille un petit peu comme ça, grosso modo. Oui, j'invente des verbes. Ouais, j'avoue que le monsieur, là, il est... Il est très mignon. Il est joli comme tout, ce petit gilet comme ça, avec la chemise, là. C'est joli comme tout. Est-ce qu'on a un bas qui est disponible? Hop, on va monter tout au-dessus. On en a un.
on en a un, si je ne m'abuse, ouais, hein. Qui est entre, ouais, qui fait, il fait un petit peu training, hein, j'ai envie de vous dire, hein, moi, ouais, c'est pas encore trollé, en fait, je trouve, avec ça. Ouais, ça va encore, en fait. J'ai déjà vu pire. Au niveau des godasses, pour les mecs, est-ce qu'il y en a? Oh, une perle, ouais, elles sont belles. Et elles sont luisantes et tout, quoi. Regarde Théma et Godas. J'assume qu'il n'y a pas de chapeau. Je vais quand même regarder pour être sûr, mais ça me surprendrait. Ouais, non, voilà. Niveau bijoux. Ah, si, bah voilà, les mêmes que pour. Oui, hein. Ouais, celui-là qu'on voit pas à cause de la chemise. Et du coup, je me demande aussi si au niveau du bas, il y a... Ouais, j'ai les bacs peut-être. On va faire ça. Hop. Ah oui, les bagues. Les bagues, ouais. Il y a peut-être pas... il y a peut-être des gants aussi. C'est vrai qu'on n'a pas vérifié. Peut-être qu'il y aurait des gants pour le RP, pour manier les... Les bijoux avec, avec parcimonie, non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Au niveau... Oula, monsieur, c'est particulier ce que tu portes. Tout va bien. Tout va bien, bienvenue dans mes modes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais à mon avis, je pense qu'il y avait plus de haut parce qu'il n'y avait pas de tenue... non, c'est pas ça, décidément. Ouais, non. C'est pour ça que les mecs avaient plus de haut, c'était pour qu'il y ait un équilibre avec les robes chez les femmes. Voilà, en fait, c'est ça. Des bisous, Samantha. Merci d'être passé en tout cas. C'est comme ça que c'est dans la piscine. Pour moi, il a plouffé. D'accord, ok. Bah écoute, t'as tout à fait raison. Écoute, voilà. Attends, laisse Lucie. Bah voilà. Aussi, j'ai pas vu de nouveaux traits de caractère, je vous avoue. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Maintenant, oui, c'est vrai que moi j'en ai plein avec les modes, mais j'en ai pas vu qui soit affilié à ça. Maintenant, tout à l'heure, je me suis demandé si fabricant ne pourrait pas justement bien coller avec les personnes qui vont travailler la gémologie. Voilà. Pour moi, ça pourrait coller. Hein, quand fabricant, bah, ton Sims aime faire de l'ébénisterie, faire des bougies, utiliser le pétilleur, réparer des objets. Enfin, voilà. Donc, pour moi, je pense que ça peut être bien... Lou, j'aurais voulu une tenue complète. Ouais, j'avoue que j'aurais bien vu un long gilet ou un genre de longue veste, un truc comme ça aurait pu être cool. Mais voilà, écoutez, c'est pas mal. Moi, je trouve ça déjà pas mal. Écoute. Voilà. On va quitter le créer un Sims. Par contre, je ne sais plus le code pour pouvoir débloquer et acheter les créatures. Parce que je vous avoue que j'ai pas envie de passer mon temps à en trouver. Ah, peut-être sur mes modes, peut-être que je pourrais en acheter. Donc... Pas pipin, hein, il est canon, on est d'accord. Hein. Donc la maison statue dont je vous parlais la fois tout à l'heure, hein, voilà. C'est moi qui l'ai faite. Hop, voilà. Toute simple. Et en fait, à la... J'ai mis une deuxième lampe. Pourquoi est-ce qu'il y a une deuxième lampe là? Je ne comprends pas. Ellie, merci pour ton grissin, poulette. Merci beaucoup, merci d'avoir claqué ton prime. Ton gentil. Et mon jeu ne répond plus. Ça ne m'inspire pas confiance. Heureusement que j'ai... sauvegardé. Je crois. Bon, j'ai démarré mon jeu avant live, normalement. La meuf qui joue manque encore trop de mode. Quand tu veux, hein. Micheline. When you want, Micheline, hein. La pédalation. Ah non, voilà. Il a compris qu'il devait fonctionner. Hop. Voilà. Hop. Donc, je vais regarder si je ne peux pas acheter un petit truc. Voilà. Commander. Jardinage. Loisirs, acheter des colons, acheter des cristaux. Ah oui, aussi, j'ai mis un mode avec des trucs en plus. Voilà. Non, non, j'ai pas surpris. Bon, écoutez, on va se faire plaisir. On va commander tout ce qu'il faut. On va commander aussi un cristal modé.
voir si ça fonctionne. Regardez, oui, c'est trop bien. Donc ça, ça vient d'un mode, hein. Vous voyez, c'est pas en français. D'ailleurs, ces modes, si vous les cherchez, ils sont dispo sur... sur mon Pinterest, hein. Si vous tapez point d'exclamation Sims 4 dans le chat, vous pourrez retrouver ça, c'est dans la section déco. Enfin, meubles et set et déco. Ah non, mais j'ai pas les sous. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous ne voyez rien. Vous n'avez rien vu. Voilà. Hop. Vu que notre but quand même est de découvrir un peu ce qu'on peut faire avec nos petites affaires, hein. On va même en acheter un peut-être en double. On va en acheter quelques-uns en double, comme ça on peut faire des tests. Voilà, pierre de lune. On a 10 000 simflouz. Hein. On va avoir un inventaire qui va être bourré de cristaux. Bon, Osef, de toute façon, c'est pour quand même qu'on teste le kit. Donc voilà, moi, mon but, c'est vraiment de tester notre petit kit. Purée, j'ai craqué mon slip, moi, avec les cristaux. Alors, ce qui est cool, en plus, c'est qu'il y a ben, c'est des pierres qui glissent vraiment, hein, les matites et tout ça. Voilà, moi qui suis une fan de pierres. Oh là là. Bon, les modés, j'en prends qu'un. Hein. Je vais pas me casser la nanette. Amazonite, améthyste, citrine. Voilà. Ah merde! Voilà, hop. Et ben, jusqu'à maintenant, je t'avoue. 10 000 dans son inventaire. Est-ce que. Et voilà, regardez-moi tous ces beaux petits loulous que nous avons, excusez-moi, en notre possession. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tailler une pierre précieuse, créer un bijou. Ah! Ok, je peux acheter du métal. Ok, donc pour ça, il faut... Oh, on peut choisir. Qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se fait? Les colliers, regardez, oh là là, oh. Un second bracelet. Bon. Un collier. Allez, je vous dis les gars, les filles, vous ne rendez pas service là. Allez, je vais mettre. On va d'abord faire un bracelet pour tester avec pour ce que Flora a demandé. Puis après, on fera ce que Gaëlle après. Oui, Ellie, oui, je sais, Ellie, je sais. Comme Aphrodite est plus dans le doré, on va prendre en or. Voilà, en or. Voilà, vas-y, ma petite Aphrodite. Va nous faire un magnifique. Donc voilà, on voit qu'elle s'occupe. Aphrodite porte bien son nom quand même. Je vous invite à mettre le lien sur le Discord, hein, si jamais. Point d'exclamation Discord ou point d'exclamation réseau dans le chat pour trouver le lien du Discord, si jamais. Parce que là au moins on les perdra pas, ça se perdra pas sur le chat ici. Ce sera plus facile. Je laisse aller pour qu'on puisse voir un peu les animations. Hein. Pour qu'on puisse en profiter. Donc on voit vraiment qu'elle regarde. On voit la chose de bonbonne. Alors moi j'avoue que j'aime beaucoup ce côté cocooning de l'atelier. Alors oui, les chaises vont pas du tout avec le reste, mais voilà, je vous dis, j'ai vite modifié ça en speed avant le live, je vous avoue. Oui, ben oui, je pense qu'à mon avis, le prix, ça doit pas être... ça doit pas être donné.
Là, je viens de me rappeler que fin mars, c'est notre anniversaire de couple à mon mari et moi. Si tu ne sais pas quoi m'offrir, je t'informe que... On ira voir peut-être ça aussi avant de finir le live. Les animations sont sympas. Bon, au cas où on a quand même le truc incendie, hein. Si elle fout le feu. J'ai pas vu qu'il y avait une nouvelle mort en tout cas. En tout cas, là, je vous avoue, là, je suis trop contente. Contente, c'est trop bien. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, donc Aphrodite a commencé son parcours dans la compétence gémologie, utile à table de gémologie pour tailler des pierres précieuses, fabriquer des bijoux, ou obtenir des cristaux et des métaux pour améliorer votre niveau et débloquer plus de bijoux et de pierres précieuses à fabriquer. Donc, nous avons acquis notre petit bracelet. Bracelet imposant, or et améthyste, qualité normale, fait par l'homme. Cet objet est chargé sur la grille des cristaux. Votre sim obtient de l'énergie plus rapidement en dormant. Votre sim a une chance de se réveiller avec un état d'esprit inspiré, rêve lucide. Donc on peut le vendre. On peut le vendre sur Pepsi. On peut le porter. Porter avec toutes les tenues, d'accord. Mettre dans l'inventaire. Et comment est-ce que je peux le déposer? Charger les pierres précieuses et les bijoux. Voilà, comme ça. Ah, donc en fait, c'est en lien avec la nature, ça, que je vois? Bah oui, c'est assez logique. Hein. Donc voilà, le cristal est en train de se charger. Et donc, on va créer... Ah, on peut créer un bijou aléatoire. Taillez une pierre précieuse, on va en tailler un. Modèle requis. Oh, comme ça. Et on va tailler... quoi? Alors, le premier qui me lâche une horreur... Enfin, je suis sûre que si Dany avait été là, il aurait été tenté de le faire. Hein. Mais il n'est pas là. On va faire une pierre de lune. Voilà. Le pauvre, je taille Dany... Vent sur Simstead. Bah en fait, Plopsy, en fait, c'est l'équivalent de Vinted. Enfin, Plopsy, c'est plus celle-ci. Donc voilà, on va tailler. Ah oui, regardez là. Donc là, c'est une autre animation. On utilise un genre de raboteuse. De... Ah voilà. J'avais plus le nom. Ouais, je pensais plus celle-ci. Hein. Pour le coup. J'adore aussi ce. Ouh là là! J'adore aussi ce meuble-là, regardez, les petites succulentes avec les trucs, ça aussi, ça vient avec le kit. La petite lampe aussi, comme ça, c'est avec le kit aussi. Ah, elle la regarde. Mais là, je vous avoue que clairement, Daina, quand je vais rejouer avec, elle va se faire des bracelets, des colliers, ça va être Madame Bijoux, je crois. Complètement. Désolée, je laisse aller pour qu'on puisse regarder les animations. Pour le prochain bijou que je ferai, j'irai avec l'accéléré. Je t'avoue que là, maintenant, Ellie, je teste vraiment le gameplay du kit pour la première fois avec vous, là. Mais avec mes mods, j'ai eu des soucis avec le système qui fait fond. Enfin, parce que vous avez le mode Better Build, mais il y a un autre fichier que vous devez mettre avec. J'ai eu des soucis avec ce fichier-là, donc j'ai retiré Better Build. Ah, compétence... attendez. Niveau 2 de la compétence gémologie, Aphrodite peut désormais discuter des propriétés des cristaux avec d'autres sims et peut créer des bijoux délicats et tailler des pierres précieuses en utilisant la taille émeraude sur la table de gémologie. Ok. Donc j'ai eu un souci avec ce mode-là. J'ai eu un souci avec un autre mode...
Donc en fait, ouais. Attendez, parce qu'en fait, j'ai trois modes que j'ai dû mettre à jour. Il y a Wicked Wims que j'ai dû mettre à jour parce qu'en fait, le Sims n'arrivait plus à changer de vêtements. Quand on avait demandé quelque chose et puis changer de tenue, il ne le faisait pas. Alors que je l'enregistrais que c'était fait, mais voilà, là, le vêtement n'apparaissait pas. Tu avais aussi donc, le mode de Better Build. Qu'est-ce que ça faisait encore? Je ne sais plus. Il y avait un autre mode que je ne sais plus non plus, mais où je n'arrivais pas à aller chercher les grenouilles, en fait, aussi. Voilà. Ouais, ça va, en vrai, le prix. Mais voilà, c'était plus avec des mods que j'ai eu des soucis. Mais voilà, là, pour le moment, là, tout le jeu fonctionne, les sauvegardes fonctionnent. Ça, parce que j'ai déjà sauvegardé plusieurs fois, même avant de lancer le live, hein, voilà. J'ai une simset que j'ai créée suite à une idée d'histoire qui est une sorcière et qui est en couple avec deux loups-garous. Qui est fada de cristaux, ce qui devait être mon paradis pour elle, faut deux loups-garous. Oh, elle est polyamoureuse. Oh, 50 euros la bague, 50 $ la bague. Ok, ça pique légèrement, mais je m'attendais à du son. Ouais, là, ce que tu viens de me dire, ouais. Maintenant, si c'est du vrai or, j'ai envie de te dire, oh, Fleura, oh, Fleura, tu touches mon petit cœur. Ah là là, tu as installé le mode Open Love Live du coup. Parce qu'il y a un mode hein, pour le polyamour hein, sur les Sims 4, je vous rappelle, pour les personnes que ça intéresse. Qui fonctionne relativement bien. Faut que je l'installe. Bah franchement, il est trouvable sur Curse. Si tu as Curse, tu le trouves, ça s'appelle Open Love Live. Et c'est de Lupino, je crois. C'est la même personne qui a fait le mode LGBT. Parce que oui, vous avez un mode aussi LGBT pour les personnes qui ne le savent pas. Et donc, en fait, avec le mode Open Love Live, vous pouvez... attendez, je vais vous montrer en vitesse hein, avec elle. On va la laisser faire. Hop, parce que je l'ai installée. Hop. Vous allez sur la section... attendez. Hein. Ah, elle a fini son truc. Vendre. Hop, charger sur la grille de cristaux. On va faire pareil, écoutez. Donc on peut mettre plusieurs choses. C'est vraiment comme une fleur de vie, c'est marrant. Depuis quand OBS est ouvert? Quoi? Oui, bah oui, désolé. J'ai mis le U. Donc attendez, que je monte en vitesse le mode Open Love Live. Donc ça, orientation and identity, ça c'est pour... attendez, hop, on va regarder ça. Je crois que c'est ça. Manuellement, donc hop, à la romantique. Pan romantique, voilà, on va, hop. Voilà, et donc on peut définir aussi si elle est discrètement out, voilà. Au placard, voilà, pour ça. Et là j'ai un raid, oui. mais je crois que le waouh, j'ai mis ça pour les follow, je crois, si je me trompe pas. Et pour le mode sur le polyamour, attendez, il faut que je retrouve dans les actions, voilà. Voilà, action, Open Love Live. Donc on peut faire en sorte qu'elle ne soit pas jalouse, et donc changer les préférences. Donc désolé, par contre le mode est en anglais, je suis désolée. Maintenant je sais qu'il y a une version française pendant un moment, enfin, qu'il avait été traduit, je crois que c'était Kimiko qui l'avait traduit, si je ne me trompe pas. Mais voilà, il y a une mise à jour depuis, donc voilà. Il a été mis à jour tout récemment, en plus, ces jours-ci, donc franchement, je pense qu'il est bon. Donc voilà, vous pouvez choisir vos teams préfèrent des relations non exclusives, s'ils s'en foutent que ce soit exclusif ou pas, et alors s'ils préfèrent vraiment les relations exclusives, donc les relations monogames. Donc voilà, comme ça, voilà. Bah voilà, franchement, Fleura, voilà, et alors en plus, il y a des interactions qui se font entre les Sims, donc t'as ta Simette qui peut parler, par exemple, voilà, Aphrodite, si elle a déjà un chéri ou une chérie, parce que donc du coup, là, je l'ai fait de pan, elle pourra parler de ses autres partenaires, hein, un autre de ses partenaires, enfin voilà, il y a vraiment des conversations qui... Enfin voilà, c'est quand même bien intégré, je trouve, et voilà. Maintenant, j'ai eu des bugs au niveau jalousie, maintenant, faut voir si dans la mise à jour qu'ils ont fait, enfin, que Lupino a fait... Je crois que c'est Lupino, hein. Non, c'est pas Lupino. Bon, soit, anyway. Si ça a été réglé, mais voilà.
Donc on a fait ça et j'avais dit qu'on ferait un collier. Créer un bijou. Hop, un collier. On va créer. Oh mon dieu, on va créer ça. Avec de l'or. De l'or. De l'or rose. Ah, tu ne peux pas l'acheter comme ça. Ah, oh, tu peux faire des. Oh là là, ça va être trop beau. Hop. Y a pas d'or, tu peux pas de l'or tout simple. Ah voilà, or. Et là le cristal, on va mettre hop du rubis. Ça, ça va être canon, hein, ça je crois. Donc en fait, quand on voit toutes les combinaisons, j'ai l'impression qu'il y a des combinaisons entre les métaux et les pierres. C'est pas dire que c'est infini, mais c'est un truc de fou en fait. Enfin, c'est un truc de fou. Franchement, c'est génial. Par contre, ça fait trop longtemps que je n'ai pas installé de mode. Faut que je comprenne comment les réinstaller. J'avais fait une très bonne vidéo sur mon ancienne chaîne Flora. Tu chercheras mode, installer mode Sims 4, Jody Dreams. Enfin voilà, la limite. Maintenant, si tu ne veux pas t'emmerder avec ça, tu peux passer par Curse. Donc le Curse, c'est un petit logiciel qu'on utilisait aussi d'ailleurs pour modder Minecraft à une époque. Si je me souviens bien, c'était celui qu'on utilisait. Et en fait, Curse fait le lien avec ton fichier mode des Sims et en fait, il te met à jour tes mods et tout, donc c'est vraiment le top. Que tu boostes quelques sads, ouais. Ouais, voilà, tu prends les fichiers .package, comme tu sais, tu les glisses dans ton fichier mode. Voilà, tout bêtement. Ouais, elle est pas bien. Attends, qu'est-ce qu'elle a? Hop, ah oui, le rhume des foins, hop. Oui, parce qu'il y a aussi une mise à jour de Slice of Life, hein. Je sais pas si vous saviez. Le mode à un moment s'est arrêté, mais la fille l'a refait, hein. Voilà. Je vous préviens, comme ça vous savez, Slice of Life est revenu. Maintenant, il y a moins de choses. J'ai cru comprendre qu'elle avait retiré les menstruations. On va aller un peu plus vite, hein. 40 fois, le plus des loups-garous est un vétéran. Oh! Je me réjouis de voir le collier, je vous avoue. Hein. Attention, Utsari va orgasmer. je déconne, hein. La pauvre. Ah là là. Ah non, si ça avait été plus doré et jaune, hein, toi, je pense, à mon avis. Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, dites, c'est beau comme tout. C'est beau comme tout. Et du coup, là, chargé sur la grille des cristaux, et là, c'est pareil. Est-ce que, du coup, on a... Il ne se passe rien. Est-ce que... Ok. Ah, elle s'est pincé le doigt. Ok, donc on a un moodlet qui dit qu'elle s'est faite mal en créant un bijou, parce qu'elle s'est pincé le doigt. Quand même, je le veux. Bah écoute, Utsari, tu participes au giveaway tout à l'heure, hein, peut-être, hein. Donc voilà, on a créé ces trois, donc deux bijoux, on a taillé, ça je propose que le reste, on le fasse avec Daina, hein, je propose. Hein. Maintenant voilà, j'avoue que je ferai plus des choses qui sont dans mes goûts, là, c'est vrai que moi d'habitude je porte jamais de doré. Mais voilà, franchement, ce kit pépite. Hein. Moi si vous aimez vraiment tout ce qui est, les pierres, tout ce qui est bijoux, foncez. J'ai jamais, je crois, été aussi convaincue par un kit, je vous avoue. Un truc de fou. Non, mais c'est bien, dans ma partie, j'ai l'aîné des enfants qui va être fleuriste et Benjamin qui dit bah voilà, écoute, voilà. Oh, elle vient de rentrer, elle vient de se changer. Voilà. Attendez, j'aimerais bien m'en voir un peu les bagues qu'elle porte. Voilà, t'as l'air ravie, meuf. Hein. Ah, bien sûr, c'est pas la tenue qui a ces bagues là, attendez. Attendez. Tenue, changer de tenue. C'est celle-là. Allez, Gertrude. Hop. Ah, là, c'est mieux, hein. Ok, donc voilà la bague en question. Et voilà, donc du coup, l'autre bague. Et voilà, là, nous les voyons mieux. Oh, c'est mignon comme tout. Et ça va bien, ça fit bien avec le... Si la pierre avait été blanche, ça aurait mieux été. Mais franchement, voilà. On n'a pas à se plaindre. C'est très... Avec sa petite manucure, là. Ah oui, fabricante de bougies. Là, vous avez les bougies, les cristaux. Là, ça fait vraiment tout ce qu'il faut là pour... pour faire des Sims bien magiques. Par contre, du coup, je vous avoue que l'arbre, je me demande si c'est pas un truc comme... Attendez, si je fais ça, est-ce que je peux le planter? Non. Écoutez, je propose qu'on écoute avec Daina tout ça, le reste.
Coucou Lulit. Je propose qu'on découvre avec Daina le reste. Mais voilà, je crois qu'on a déjà découvert pas mal de choses. On a la petite boîte, on va les ranger hein, juste pour le fun. On va les ranger, regardez. Hop. Est-ce qu'on peut ranger au-dessus? Oh si, on peut ranger au-dessus. Par contre, j'ai pas reçu mes autres cristaux, là, des mods là, que j'ai achetés à mon avis. Est-ce que ça fonctionne mal? Je ne sais pas. Faudra voir. Hop, regardez, là aussi au-dessus. Et là, les petits, je peux pas ranger les petits à l'intérieur? Ah si, voilà, je peux ranger deux petits ici. Et alors là, je suppose que, oui, là, il y a sûrement des petits que je pourrais installer au-dessus, oui. Là, je pense qu'on a des espaces aussi au-dessus. Bah là, parce que la lampe, ça, je sais que je l'ai ajoutée. Ça, on sait pas le poser dessus. Peut-être spoil du trailer, je crois que, de ce que j'ai dans le trailer, il faut fabriquer la pierre. Il faut fabriquer la pierre. Oh. Bah écoutez, on découvrira tout ça avec Daina en temps et en heure. Là, j'aimerais d'abord bien terminer Thomas Rung avec Daina. Donc, voilà. Voilà. J'ai envie d'aller voir la boutique, je vous avoue, quand même. Hein. On est d'accord qu'on a très envie d'aller voir la boutique des Sims 4, voir un petit peu à quoi ressemble. Vous l'avez mis où, le petit lien dans ces... Pas dans CC... Ah bah voilà, je vois qu'en plus, Ellie avait prévenu pour la mise à jour de Slice of Life. Quel professionnel, Ellie, franchement. Quel professionnel. Pop. J'essaye de regarder après... Vous l'avez mis où, le lien, les gars? Sims 4, merch, je vais taper ça. Ah, voilà. Accepté. Oh. Attendez, il va se passer des choses là. Il va y avoir de la souffrance. Il va y avoir de la souffrance, très chers amis. Ok, je dis deviens folle. Attends, je deviens seulement Utsari. Je deviens seulement, respecte-moi, s'il te plaît. Maintenant, vraiment folle, c'est depuis le mois de septembre. Ça... C'est pas pour rien que je suis suivie par une psy et un psychiatre. Oh là là. J'ai envie de vous dire autant en rire que d'en pleurer. Je vous avoue mon état. De toute façon, ça ne peut que aller mieux au stade où j'en suis. Hop. Donc, tous les produits... Alors déjà, je sais que ça va pas aller pour moi. Pour ça, pour plusieurs bonnes raisons. Déjà, je n'aime pas le vert. Voilà. Et je n'aime pas le doré. Donc voilà, c'est réglé. Par contre, ça, ce n'est pas réglé. Ça, ce n'est pas réglé. Ça, ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé, même si je n'aime pas le vert. Ce n'est pas réglé. Ce n'est pas réglé. Faites des dons. Prenez les subs. Que je puisse me prendre du merch, les Sims. Je rigole. Je déconne. Non, mais en fait, en vrai, franchement, c'est très, très beau. C'est très, très beau. C'est un joli coup de poker qu'ils ont fait, sortir des bijoux en même temps que le truc. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il faut avoir au niveau de la qualité. Maintenant, voilà, je ne vais pas cracher dessus, je ne l'ai pas testé, mais voilà. Ah, t'avais plus de trous à tes oreilles, Utsari? Tu n'avais point de plus de trous à tes oreilles? Hop. Ah, bah là, il me l'a mise, là, ma truc. D'accord, ok. Bah, écoute, tant mieux, voilà. Pendant longtemps. Je vous rassure, j'ai pas trop les fonds non plus, là, comme je suis toujours en maladie, là, en plus, mon psychiatre que j'ai vu hier m'a prolongé jusque mi-avril, donc voilà, vous devrez encore me supporter régulièrement en live jusque mi-avril. la semaine prochaine, d'ailleurs, je vais vous refaire à ce week-end-ci un programme, parce que là, mes enfants vont aller en stage la semaine qui arrive, donc j'aurai un peu plus de temps. Une demande en mariage, pourquoi pas. donc, vous savez bien que qui dit nouveau kit, qui dit nouvelle ADN des Sims dit giveaway.
Oui, Lunlit, eh. Il y en a là-dedans, hein, chez eux, hein, quand ils veulent bien. La meuf qui taille. Qui taille à balles réelles, là. Oh là là, non, allez, faut que j'arrête. Faut que je sois gentille. Donc. Hop. On va ouvrir. On va mettre une petite musique. Une petite musique. Une petite musique. Hop. Oula, ça va fort. Calme-toi. J'ai même pas du tout mis de musique du coup du truc parce qu'en fait j'ai tellement peur qu'il de me faire ennuyer par YouTube. Bon, c'est pas grave, au pire ils me sucreront un petit peu la fin, si jamais. Donc. Le keyword à mettre dans le chat pour tenter de gagner les Sims 4 kits d'objets création en cristal, cristaux. Voilà. Non, 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 parce que tu sais, comme ça, ils voient, parce qu'en fait, c'est un truc aussi, en fait, ça sera soit la rediff, comme ça, les Sims verront que j'ai pas gardé le code pour moi. Parce qu'en fait, le code, c'est eux qui me le donnent, en fait, et ils me le donnent spontanément, mais voilà, il faut juste que je m'inscrive. Mais voilà, si je m'inscrive, il faut bien que, voilà, comme ça, moi, ils ont une preuve que ça aura été joué comme ça. Si je veux pouvoir vous en faire gagner, quand je vous continue à vous en faire gagner, il faut que j'attaque ma part du contrat, entre guillemets, quoi. Mais t'as pas de contrat pour qu'il y ait... Je ne suis pas payée. Je ne suis pas payée par EA. Mon paiement pour le fait de vous proposer ce contenu, en fait, c'est le code, en fait. J'ai pas d'argent. EA ne me donne pas d'argent. Voilà. Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ce privilège. Peut-être que d'autres, oui, mais voilà. Je n'ai pas ce privilège. Et je ne savais même pas que ça existait. S'il y en a d'autres qui l'ont, je ne savais pas. Donc voilà, je disais à mettre le mot pierre, simplement dans le chat, une pierre. Voilà, pour tenter de gagner le kit. Et dès que, voilà, il est 32, on va dire qu'à 21h35, je lancerai la roue. Donc voilà, le mot pierre. Pierre sans S. Non, non, Pierre, simplement le mot Pierre. Pierre, comme ça, bêtement ça, sans S. Ah, j'en étais sûre que de ça, Riel. Oui, je pense. Il arrive rien. Ah là là. Coucou Liana, bienvenue du coup. Pierre, présent. Ah oui, je viens de comprendre la référence. Oh, oh, Utsari, je viens de comprendre la référence. Oui, oui, j'ai la référence. D'ailleurs, ça va être tout noir dehors. Enfin non, c'est tout noir. Mais en plus, il faut que je le regarde, ce film avec mon deuxième chéri. Il faut que je le regarde avec lui. Dans... N'hésite pas à follow, du coup, Liana. N'hésite pas à follow. Je joue un petit peu tout, du coup, Liana, moi, je joue à du Phasmophobia, au Sims 4, Project Zomboid, il faut que je refasse absolument, House Flipper, enfin, voilà, je joue un peu tout comme jeu. Et j'ai également une chaîne YouTube. Je te balance tous mes réseaux, comme ça, tu pourras me retrouver facilement, un peu partout. Je réponds trop. Tu fais ce que tu veux, Tsari. De reprendre live avec... Mais c'est trop bien, PZ, hein. C'est trop, trop bien. J'ai trouvé des modes, franchement, Harry. Trop bien. Et du coup, Ellie, ma petite Ellie Sims, tu veux pas participer? Tu veux pas tenter de gagner le kit? Parce que je vois pas ta validation de trucs, donc n'hésite pas à mettre le mot Pierre dans le chat. Ah, tu l'as déjà. Il n'y a pas de problème, Liana, à ton aise. Alors, du coup, il n'y a pas de problème. Reste en lurk, tu as bien raison. J'en suis sûre. Non, mais voilà, je voulais être sûre. Mais elle est 35, hein. Rolite, allez. Ah, ben voilà, Liana. Liana, qui est silencieuse, ce soir, a bien fait de parler. Bravo, Liana, tu as gagné le code.
GG à toi. Je vais regarder si entre-temps je l'ai reçu. Parce qu'en fait les trucs ne sont pas encore ouverts. Je vais regarder si entre-temps je l'ai reçu. Liana, tu as de la chance. J'ai reçu le code. Donc, je le copie-colle, je te l'envoie. Juste, je vais te l'envoyer par message privé sur Twitch. Je fais ça parce que comme ça, je suis sûre de l'offrir à la bonne personne. Donc, je te l'envoie en chuchot. Hop. Hop, voilà. Directement des fourneaux de EA Games. Et du coup, bah merci beaucoup EA de m'avoir fourni ce code pour permettre de vous faire gagner. C'est vraiment très chouette. Voilà. Je sais pas, en tout cas, sur YouTube, oui, je parle aussi à ceux de la rediff, faut pas déconner. J'espère que ce petit live vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce kit. Je serais vraiment curieuse de savoir. Moi, en tout cas, c'est pépite. En tout cas, c'est pépite. C'est du gameplay que je vais faire. C'est du... c'est... Ouais... Je suis... oui, voilà, ça va être la fin du live, effectivement, Utsari l'a bien compris, ça va être la fin du live. Mais voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous, c'est le de Twitch, je vais voir pour vous diriger vers un autre live. Voilà, donc n'hésitez pas à rester pour les points de chaîne si vous désirez faire des petits sounds ou m'ennuyer. Donc voilà, surtout que bientôt, les personnes, quand je vais jouer à Phasmophobia, je vais mettre des trucs où vous pourrez interagir avec mes parties. Donc voilà, je ne sais pas, Utsari, je ne sais pas, Utsari, pourquoi tu l'as pas mis tout à l'heure, mais voilà, soit. Bah dans tous les cas, salut YouTube, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et surtout restez vous-même. Ciao, ciao!